Et nous y sommes, chapitre 21, chapitre final de ce tome 3 de la série Mon prof est un extraterrestre, mon prof s'allume dans le noir. Donc au chapitre précédent, Oulan, qui ne va visiblement pas très très bien, a donné au conseil intergalactique dont on apprend qu'il a fait autrefois partie une dernière volonté que les extraterrestres ont décidé de lui accorder. Comme en tant qu'ancien membre et très honorifique, qui consiste à laisser une chance, une dernière chance, à la Terre et à Peter et aux Terriens de convaincre le Conseil de ne pas prendre de décision radicale concernant la planète Terre, la question Terre. Donc, chapitre 21, retour éclair. C'est parti. Le conseil interplanétaire n'était pas du genre à faire traîner les choses une fois qu'il avait pris une décision. À peine quelques minutes plus tard, un rayon bleu nous propulsait, Broxol et moi, du vaisseau spatial à la Terre. Ce mode de transport devenait possible parce qu'au cours de son dernier saut dans l'espace, le vaisseau s'était à nouveau rapproché de l'orbite de la Terre. Notre rayon n'avait que quelques centaines de milliers de kilomètres à parcourir. Je crois que je n'oublierai jamais l'expression ahurie de Duncan quand il nous vit nous matérialiser au milieu du grenier dans un chatoiement de lumière bleue. Je n'oublierai jamais non plus le visage de Suzanne Simmons. Ce qui la rendait encore plus jolie à mes yeux, c'était sa joie sincère de me retrouver. Peter! S'écria-t-elle en se jetant dans mes bras. J'étais un peu embarrassé. Hello, Suzanne, bégayai-je. Je suis content de te revoir. Comme entrée en matière, ça n'avait rien de génial, je vous l'accorde. D'autant que j'aurais voulu lui dire mille choses, mais que je ne savais pas comment m'y prendre, surtout en présence des autres. Broxol me dissipa le malaise ambiant à sa manière, un peu abrupte. Bonsoir, mademoiselle Simmons. Bonsoir, monsieur Dougal, déclara-t-il en inclinant poliment sa tête verte. Pour ma part, je mentirai en affirmant que c'est un vrai plaisir de vous revoir, mais puisque nous allons travailler ensemble, j'espère que nous saurons oublier le passé. Venant de lui, c'était un petit discours drôlement aimable. Travailler ensemble? S'étonna Suzanne. Que diriez-vous de nous aider à sauver la Terre? Demandai-je en m'efforçant de prendre un air héroïque et décontracté. À vrai dire, nous ne leur donnâmes pas vraiment le temps de réfléchir. L'instant d'après, Broxol me nous fit prendre position au centre de la pièce. Duncan se plaça entre Suzanne et moi. C'était un peu contrariant, mais je résolus de me montrer généreux et de ne pas en tenir compte. Ayant été connecté à son cerveau, je savais qu'il venait d'endurer pas mal d'épreuves ces derniers temps. Bien sûr, j'en avais enduré pas mal moi aussi. Le rayon de lumière bleue nous enveloppa, il nous désagrégea en électrons, nous projeta dans l'espace et nous reconstitua à l'intérieur du grand vaisseau spatial. Quelque part au-dessous de nous se trouvait la planète que nous devions sauver. Quelque part au-dessous de nous se trouvait mon père. Quelque part à bord du vaisseau se trouvait un petit extraterrestre bleu qui, sur le point de mourir, avait exprimé le désir de donner à la Terre une dernière chance. Nous allions nous efforcer de respecter cette volonté. Je m'étais juré d'y mettre tout mon cœur, par amour pour lui. J'espérais qu'il réussirait à survivre afin que Suzanne puisse faire sa connaissance. Au bout d'une minute, Broxol et Criblim nous rejoignirent. Vous avez de la chance, dis-je à Suzanne et Duncan. Voyager par rayon transporteur nous évite de passer par le processus de décontamination. Le processus de décontamination? Demanda Duncan en fronçant le bout du nez. Je t'expliquerai plus tard. Tu peux lui expliquer maintenant si tu veux, déclara Broxol. Criblim et moi, nous devons nous entretenir avec les membres du conseil. Alors prends ton temps. Là-dessus, tous deux s'évanouirent dans un propulseur transdirectionnel. Allez, Peter, raconte, me lança Suzanne. Pardon, fis-je en toute innocence, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais vous savez déjà tout ça. Je leur fis donc le récit que je viens de vous faire. J'avais à peine terminé quand Broxol et Criblim réapparurent. Le conseil va vous recevoir à présent, annonça Criblim en agitant son nez devant elle. Nerveux, excité, terrifié, nous les suivîmes à travers le propulseur transdirectionnel pour atterrir dans la salle du conseil, où nous attendaient les images de 8 extraterrestres prêts à nous donner leurs
Une énorme représentation holographique de la Terre suspendue dans l'air au-dessus des têtes. Imaginez un globe terrestre de 3 mètres de diamètre, reproduit à la perfection dans ses moindres détails. Suzanne glissa sa main dans la mienne. « C'est magnifique, » chuchota-t-elle. « Je ne dis rien. » Vu ainsi, notre planète était effectivement magnifique, mais je n'ignorais pas, les désastres qui ravageaient sa surface, les horreurs que les hommes s'infligeaient les uns aux autres. Que nous arriverait-il en y retournant? Saurions-nous retrouver un moyen de convaincre les extraterrestres qu'il ne fallait pas la détruire? Je me rendis compte que Duncan s'était rapproché de moi et, à mon étonnement, il glissa son bras autour de mes épaules. « On réussira, Peter, » me chuchota-t-il. Je hochai la tête, les yeux toujours fixés sur l'hologramme au-dessus de nous, l'image de la Terre, la planète que j'avais abandonnée et que je devais à présent tenter de sauver. Ma planète. Mon foyer. Et c'est la fin de ce tome 3. À bientôt pour le tome 4, qui est le plus gros des 4 tomes. Mince, je l'ai perdu des yeux, je l'avais il y a quelques temps. C'est le plus gros, hein. Il doit faire une bonne quarantaine, une cinquantaine de pages en plus. C'est un tome très très noir, ce tome 4, car c'est vraiment, voilà, on a posé le décor du Peter et toute sa bande auront à peu près un mois pour trouver une raison valable de sauver la Terre de la destruction, qui semble être l'option la plus envisagée au final dans ce tome 3. Et vous allez voir que dans ce tome 4, bien nos camarades ne seront pas au bout de leur peine pour essayer de sauver la face d'un monde qui laisse mourir ses enfants de faim, qui laisse les gens se battre les uns contre les autres, qui polluent, qui... tout ça. Un message qui est toujours autant d'actualité à l'heure actuelle, hein, malheureusement. Et donc, dès les années 90, on avait des gens comme Bruce Coville pour appuyer un petit peu sur ce genre de détails qui font mal. Voilà, un tome très noir avec, bien évidemment, beaucoup de suspense, comme disent les anglo-saxons. Et puis voilà, j'ai hâte de vous le lire, ce tome 4, c'est le plus tendu, je vais pas vous le cacher. Et puis, voilà, à bientôt.